monde, voilà, je suis de retour aujourd'hui donc avec une petite vidéo. Donc avant de commencer, je tenais simplement à dire merci à toutes mes abonnées qui sont venues donc le 14 juin dernier, donc samedi dernier, à mon événement tuto et conseils que j'organisais avec Sephora Johannes. L'événement s'est vraiment très bien passé. J'ai posté déjà une partie des photos sur la page Facebook. Je ferai un article récapitulatif de tout ça sur le blog bientôt. Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement une vidéo pour vous parler de ma nouvelle routine pour le visage. Ça y est, il fait chaud, il fait beau. D'ailleurs, j'en profite pour vous filmer des vidéos aujourd'hui parce qu'il fait beau et donc il y a plein de lumière. Donc forcément, la vidéo sera assez jolie. Voilà, donc j'ai un petit peu légèrement réadapté ma routine visage. Dans ma dernière vidéo sur les favoris du moment que j'ai posté, je vous avais parlé d'un produit miracle, entre guillemets, pour les personnes qui ont la peau grasse, donc qui permet donc d'éviter de briller au cours de la journée, qui était donc ce produit-ci. C'est le Milk of Magnesia de la marque Philips. Ce produit donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un produit miracle. Franchement, je ne ferai pas de revue à proprement parler dessus, simplement parce que je ne saurais pas quoi vous dire. C'est un produit détourné, c'est un produit qui n'est pas utilisé comme son utilisation, enfin qui n'est pas utilisé, enfin bref, qui est détourné de son utilisation de base, de ce pourquoi ça a été fabriqué à la base. Voilà, donc pour me laver le visage, en ce moment, parce qu'il fait chaud, etc., j'utilise toujours, j'alterne toujours soit entre ma mousse de la marque Nguyen Siam ou alors le gel de la marque Gullissime. Franchement, c'est le premier que j'attrape le matin que j'utilise et puis basta. Voilà. Je fais toujours mes gommages avec le gommage de Nguyen Siam qui est mon gommage, juste mon gommage préféré. Par contre, en ce moment, je n'applique pas du tout de lotion ou pas du tout de crème ou pas du tout de quoi que ce soit. Donc quand j'ai fini de me laver le visage donc avec ces produits là, je remonte dans ma chambre, je me sèche le visage et ce que je fais c'est que je m'hydrate le visage. J'ai découvert un nouveau produit donc qui est celui-là, c'est Cadalis, donc la marque c'est Cadalis et ça s'appelle donc Musathérapie Visage Corps Cheveux. Donc c'est une huile précieuse nutritive à la banane verte. Ce produit en fait je ne l'ai pas acheté, je l'avais reçu dans un gift bag aux Victoires de la Beauté l'année dernière. Donc comme vous le voyez je l'aime tellement qu'il est déjà à moitié. Je me nourris le visage essentiellement avec cette huile. C'est une huile sèche, enfin elle est vraiment pas grasse et je l'utilise sur le visage et je l'adore. Franchement je trouve qu'elle me laisse la peau toute douce, la peau n'est pas grasse et... elle a un petit parfum vraiment léger. Donc c'est un produit en plus qui est fabriqué en France par des Martiniquais il me semble. La créatrice est martiniquaise et il me semble qu'elle utilise donc des bananes vertes de la Martinique. Voilà, donc c'est le petit, le petit message de soutien parce qu'elle avait vraiment gagné plusieurs prix avec sa marque aux Victoires de la Beauté l'année dernière. Et jusqu'ici, je n'avais toujours pas utilisé cette huile et je l'adore. Donc il faut absolument que je cherche où est-ce que c'est commercialisé parce que j'en suis déjà à la moitié de mon flacon. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc je m'hydrate le visage avec ceci. Voilà, je laisse donc pénétrer dans la peau, pendant ce temps là j'applique ma crème sur le corps etc. Et ensuite donc ce que je fais c'est que j'attrape mon Milk of Magnesia avec donc un disque de coton et je l'applique donc essentiellement sur le front et sur le nez. Donc la zone T comme on dit, hein, la partie qui brille vraiment sur le visage et ensuite je laisse sécher. Ensuite donc je commence à me maquiller. Donc vous le savez je ne porte pas du tout de fond de teint. Le fond de teint, j'ai acheté le dernier flacon de fond de teint que j'ai acheté date d'il y a au moins 3 ans et il n'est même pas utilisé au dixième. À chaque fois que je mets du fond de teint, je me sens vraiment mal, j'ai l'impression que ça m'étouffe la peau, blablabla, enfin bref, voilà. J'utilise donc essentiellement des poudres qui sont donc la... Je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais c'est Studio Fix de MAC, je crois. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, elle est déjà bien entamée. Hein. C'est celle-ci que j'utilise en NW45 pour tous les jours. Ou alors celle-là quand je sors le soir, qui est la poudre Liberty. C'est une poudre minérale. La référence, je ne sais pas exactement laquelle c'est, mais bon. Vous pouvez retrouver les informations sur le site liberty.com, myliberty.com, my-liberty.com. Voilà, donc c'est essentiellement ces deux produits là que j'utilise et j'applique, peu importe la poudre que j'utilise, j'utilise ce pinceau-ci
qui est donc un pinceau de la marque Real Techniques par Samantha Chapman. Voilà, donc ce pinceau-là, c'est ce que j'utilise pour me passer donc de la poudre sur le visage, éventuellement, voilà. J'ai également changé de concealer pour redéfinir un petit peu mes sourcils. D'habitude, j'utilisais celui de Kiko en teinte numéro 7, je crois. Mais malheureusement, l'hiver est passé, enfin voilà, j'ai perdu pas mal de teintes et du coup, il me fallait quelque chose de légèrement plus clair. Donc, j'ai acheté le Pro Long Wear de chez MAC. En NW40. Quand la vendeuse m'a vendu un NW40, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne des vacances et que j'aille au soleil parce que NW40 c'est clairement pas ma couleur. Je pense que j'ai jamais été aussi claire que ça de toute ma vie. C'est juste affolant. Voilà. Donc ça c'est pour tous les jours, enfin tous les jours, essentiellement les jours de travail quand je vais aller travailler et que je vais me maquiller. Quand je ne me maquille pas, l'avantage des produits MAC c'est que généralement ils ont donc un indice SPF, donc un indice de protection voilà, pour la lumière du soleil là. Et comme vous le savez, j'ai passé tout l'hiver à combattre donc au maximum les taches que je peux avoir sur le visage. Donc avec le soleil qui revient, j'ai pas du tout envie d'avoir à nouveau ces taches là qui sont rendues plus foncées encore par le soleil. J'ai vraiment envie qu'elles disparaissent pour de bon. Donc les week-ends, parce que généralement en ce moment il fait vraiment beau le week-end, cette crème solaire est devenue juste ma meilleure amie. C'est la crème solaire de Mixa. Donc pour les peaux sensibles, SPF 50, très haute protection UVB et UVA, spray solaire tolérance optimale, formulé pour minimiser les risques d'allergie enfants et adultes, double protection organique et minérale, hypoallergénique. Donc celle-ci, je ne l'ai pas achetée, pareil, je l'ai eu dans un gift bag quelque part, je ne sais plus où, mais elle est disponible en grande surface, elle est disponible en pharmacie, elle est disponible vraiment partout. Et je l'adore. Je l'adore parce que c'est un petit spray comme ça et elle est vraiment pas grasse. Donc je l'utilise aussi bien pour le visage que pour le corps. J'utilise vraiment partout. Et généralement quand j'utilise ma crème solaire, je ne me maquille pas. Le week-end, je me maquille vraiment pas. Hein. Franchement, je suis déjà maquillée toute la semaine, faut pas pousser. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon allié en ce moment. Donc ma petite routine visage, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur toutes les dernières photos Facebook que j'ai postées, de savoir quelle était, si j'avais changé quelque chose à ma routine, etc. Non, enfin si, j'ai changé quelque chose, mais ce ne sont pas des changements drastiques. Et je me suis aussi adaptée un petit peu pour le soleil. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo très rapide vous plaira. Je vous souhaite à toutes de passer une excellente soirée. Je vais essayer d'enregistrer une autre vidéo dans la foulée. Et j'espère que je pourrai les poster avant la fin de la semaine. Voilà, passez de bonnes vacances. Non, c'est pas encore les vacances, je pense que vous êtes encore toutes en examen. Donc passez une très très bonne soirée et à très bientôt.